n'a pas tous la même chose dans notre tête avec le même mot. Bienvenue pour notre petit exercice de photographie mentale. Avec des élèves d'école élémentaire, nous allons tenter de rendre visible la première idée, la première image que nous évoque un mot. C'est facile, tout le monde peut y arriver. Nous avons juste besoin de papier et de feutre. C'est mot à dessin et c'est maintenant. Ok, tout le monde est prêt? Donc la première chose qu'on va faire, tout le monde ferme les yeux. Vous êtes prêts? Je vais dire le mot. C'est la différence. Trois, deux, un, levez les mains. Pour moi, la différence, c'est les êtres vivants et les morts. Comme les bonhommes de neige et les humains. Le jour, la nuit, l'hiver, l'été, le travail et quand on joue. Il y en a qui habitent à la campagne et qui sont à pied et du coup ils peuvent faire beaucoup de balades. Et il y en a qui vivent en ville, qui sont dans la pollution. C'est les hommes et les femmes, parce que les femmes, elles ont du rouge à lèvres, les garçons non, des fois. Avec une jupe ou avec une robe, avec des baskets ou avec des chaussures à talons. La différence, c'est quand on est noir ou blanc. Mais en même temps, c'est pas une vraie différence, c'est une différence extérieure, mais intérieure, pas du tout, on est tous pareils. Bon alors les enfants, j'ai une question à vous poser. D'après vous, qu'est-ce que vous a appris cet exercice? En fait, il y avait beaucoup plus de choses dans mon cerveau que ce que j'en avais l'impression avant. Ça m'a donné plein d'imagination. Au revoir, à bientôt dans Mots à dessin.